la Zenex Convention 2021. Et oui, une convention pour la Pause Geek, la deuxième de l'année. Hein, comme quoi, on arrive enfin à revenir en convention et à faire des reportages dessus. Alors là, c'est vendredi soir. Le gros de la fête, c'est ce week-end. Mais on commence dès ce soir avec quelques concerts, quelques démonstrations d'armes. À voir. Allez, c'est parti! Comment ça va? Bonjour. It is wonderful to be here, and it is wonderful to see you. So, who's got the good questions? First of all, yes, it was wonderful working with Peter Jackson. And no, I didn't hang out with Orlando Bloom very much. And why? Well, one reason was that elves cheat all the time. Anyone can go. But for real wet work, you need an axe. Ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va. Bah non, il se fait chouchouter. Mais oui. Bon, on revient quand c'est fini. Coller mes cornes quand même. Ah oui, d'accord, tu les vois plus comme ça. Oui. Ça tient, ça tient.
non. En fait, à la base, ça venait grâce aux aimants et les vis dans la mousse. Et en fait, la mousse, à force, elle commence à avoir du jus. Donc, du coup, j'ai rajouté de la colle pour essayer de les faire cuire. Et si tu rajoutes un pic au avec grand plaisir et puis à tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'il faut, c'est bien. Bonjour. C'est un mot, c'est de ça. Ça va, ça va. Raisonnablement, c'est bien. On n'est pas submergé, mais il n'y a pas trop pécor non plus. Là, justement, c'était des participants au concours avec qui j'étais en train de discuter et ils sont motivés, tout ça. Donc, nous, on a un peu hâte parce que c'est vrai que ça promet d'envoyer un peu du pâté. En fait, la mort, lui, il a déjà été confronté très tôt à ça. Donc, il a sa pensée un peu plus de la merci, c'est gentil. Bonjour. T'as pas ça, Julien? De Kaamelott et une caissière d'un Franprix me regarde comme ça à la caisse, me dit couillère. Et donc je dis ah oui d'accord, donc c'est ça la folie kaamelottienne. Voilà, donc oui, je suis connu
pour le roi Burgonde essentiellement, mais ça, ça fait très plaisir. C'est déjà ça. Eh, vous êtes bon ou quoi? Fort. Vous entendez pas là? Non, parce qu'ils n'ont pas bien vu. Et Doty Trunks en Loki. Ouais. Enfin, comment on fait le rôle de composition d'actrice de doublage? Est-ce que vous lisez le scénario en amont d'être pris sur le film? Est-ce que vous regardez le film dans son entièreté en version originale, sous-titrée? Je sais pas. Comment vous faites du coup, cette composition pour doubler Whoopi Goldberg, pour doubler Meg Ryan? Dites-moi en plus. Pour doubler l'actrice qu'on va doubler, et on s'inspire du jeu de l'actrice avec une bande rythmo et on travaille. Voilà. D'accord, donc vous allez répéter beaucoup en amont avant de... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est la one again. Alors, je vois un petit sourire d'Emaïque. Oui, non, c'est... Enfin, il fut un temps, parfois, quand on avait vraiment un rôle important, on faisait une projection du film avant. Maintenant, on n'a plus le temps, donc... Donc voilà, on s'inspire tout de suite de l'actrice qui est à l'écran et de sa sensibilité, de son émotion, de son jeu. Et on réincarne avec énormément de sincérité, le plus possible, pour faire en sorte que la VF devienne une version originale. C'est-à-dire qu'on ne s'aperçoive pas que ce n'est pas l'actrice à l'écran qui joue. Agile. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu beaucoup de partenaires qui t'ont aidé. Exactement, des partenaires qui nous ont aidés à monter ça. Mais du coup, suite à cette initiative de Françoise, qui nous a permis, avec Lac en Fête et avec les sorcières, l'école française de sorcellerie de Tu sais qui, de mettre cet événement en place et de créer d'ailleurs un événement sur le mois, puisque c'est le mois du médiéval fantastique à Évry-Courcouronnes. Et du coup, vous allez avoir dans deux semaines un événement autour de Harry Potter et à la fin du mois pour le 16 et 17, ce qu'il faut dire, c'est qu'actuellement il y a 700 personnes par jour qui se sont inscrites pour l'instant. 700 personnes par jour qui se sont inscrites, donc on vous prévient pour la journée du samedi, 700 le dimanche, mais ça peut encore augmenter. Ça peut encore augmenter, donc réservez vos places parce que c'est sur réservation uniquement et c'est donc pas le week-end qui vient mais le week-end d'après. Voilà, le 16 et 17. 16 et 17. Et à la fin du mois, donc, Lac en Fête organise la soirée Halloween pour se faire peur. Voilà. Donc, on voulait tous vous remercier. Remercier évidemment Ménestrel Productions pour cette rediffusion sur Twitch, sur les réseaux, qui a permis à tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire de venir nous voir. Remercier évidemment tous les exposants qui ont répondu présent,
et on sait que c'était pas facile parce que les conditions techniques, les conditions climatiques, surtout les surtout climatiques évidemment, et surtout cet aspect particulier de cette époque étrange dans laquelle nous vivons. Remercier les guests et particulièrement Lorenzo, 80's Man et Benjamin Fatou qui sont nos deux agents qui nous ont mis en relation. Bien aidés là-dessus aussi. Pour avoir les liaisons avec les guests, c'est pas voilà. On a quand même réussi à faire venir des acteurs de Kaamelott et John Rhys-Davies à Évry-Courcouronnes. Et c'était pas une mission aussi simple. Bah non. Voilà, on est content de l'avoir fait. Et puis évidemment, remercier toute l'équipe de l'association The Prod Next Door qui a organisé cet événement, puisque derrière The Next Convention, évidemment, il y a une association de bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour que ce type d'événement puisse avoir lieu. Et pour nous, il est très important que la banlieue revive, et il est très important que la banlieue ait accès à ce type d'événement, et que ce ne soit pas essentiellement concentré sur Paris. Donc, merci à l'association The Prod Next Door, évidemment. C'est la deuxième fois en un an. Deuxième fois en un an. Deuxième fois en un an. Et évidemment, remercier notre régisseur, Romain. Il est là. Merci beaucoup, Romain, d'avoir si bien accueilli. Et puis, évidemment, Hervé, qui doit être encore là-haut, je crois, je vois plus. Ouais, il est là-haut. Merci, Hervé. Merci beaucoup. Qui est venu nous prêter main forte aussi, tout ça grâce à l'énergie de quelques personnes qui ont décidé de travailler ensemble. Parce que ensemble, alors c'est peut-être un petit peu surjoué, mais c'est vrai, on va plus loin et on vous garantit que c'est totalement vrai. En fait, on l'a essayé et seul on s'est souvent cassé la gueule et ensemble on est allé vraiment plus loin. Merci à tous. Merci Ménestrel Productions encore une fois pour votre super travail sur les réseaux. Merci à toutes les associations, tous les exposants, les cosplayers. J'en oublie certainement les bretteurs de d'Orangis. Merci à la France entière. Merci au monde. Merci à l'univers. Et voilà, The Next Convention se termine avec le discours des organisateurs. Je vous laisse pour la prochaine pause geek. Et pendant ce temps-là, je vais rentrer chez moi. Bye, ciao.